Bonjour tout le monde, c'est Mister Picot, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette 10e vidéo de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. La dernière fois, nous avons fait un petit tournoi, donc le tournoi de volley. Et là, nous avons le duel de foot, donc on part sur un duel de foot pour ce deuxième tournoi. Donc c'est parti. Alors, donc moi ça me plaît bien, cette petite vidéo comme ça. Comme je vous ai dit, on va faire essayer de faire toutes les sortes de tournois, gagner toutes les médailles d'or dans les tournois. Et puis après, on augmente la difficulté. Voilà, donc on va choisir nous. Tac, tac, et d'habitude, elle, voilà. Parce que si on choisit pas une fille dans l'équipe, ça ne va pas. Voilà. Pas de racisme. Si on n'a pas de fille, c'est pas fair play. C'est tout. Éliminatoire, durée du match, 2 minutes. De toute façon, j'ai 3 minutes quotidien. Allez, c'est parti. Coup d'envoi. Bon, je sais aussi, c'est pas un truc à faire de. Normalement, on devrait changer de tenue à chaque épreuve ou ceci ou cela. Mais. Moi, j'ai pas envie de me fixer trop à ça. En me disant, on va faire ça, on va faire ci, parce que. Ça va vite me gaver. Et hop là. Ça va vite me gaver. Donc je préfère faire un petit peu comme j'ai envie de le faire. Et on verra après. Après que ça vous plaise pas, vous me dites ouais mais c'est mieux que tu fasses comme ça. J'en prendrai compte si c'est intuitif. Mais sinon non. J'aime pas faire les choses juste pour les faire en fait. J'aime bien faire les choses bien comme il faut. Voilà. Wouah, boum. C'est pour ça que... Voilà. Tout va dépendre de tout. Non. Moi j'aime bien le foot. Surtout là. Aïe. Ça fait mal. Espèce de boulet. Oh non! J'ai failli de la mettre! C'est pas juste! Bon, 9-0 pour l'instant. Hop. Donc, ouais, c'est comme ça. Non! Non! Ah oui, la tactique, c'est comme ça. C'est celle-ci que je voulais. Non, c'est pas celle-ci. Je me suis trompé de touche, c'est celle-ci. Voilà. Allez, c'est parti. Donc ouais, c'est. Je sais que vous allez me dire il faut changer de tenue aussi. Mais moi la tenue. Ouais, adapter les tenues. Parce que je vois certaines tenues apportent plus de. Dans certaines épreuves d'endurance. Voilà. Mais bon, ça je ferai plus tard. Pour l'instant, je veux juste m'amuser avec ce que je veux. Je sais qu'il y a plein de choses, c'est un peu comme tout, Xenoblade, il y a des trucs, des choses. Sur lesquels on peut se permettre de faire et d'autres qu'on peut pas trop se permettre de faire ceci, cela. Dans les équipements, parfois, bah, beaucoup de choses comptent, mais dans les équipements, faut ajouter plus de l'attaque parce que c'est un équipement qui permettrait de faire telle ou telle chose. Mais bon. Hop là. Voilà. Mais ouais, moi c'est pareil, même sur un jeu comme ça. Je préfère prendre du plaisir que d'essayer tout de suite à faire les gros trucs et puis prendre du plaisir dès le début du jeu pour pas me lasser trop vite du jeu. Parce qu'une fois, dès que tu deviens trop voilà trop fort en une épreuve, pas une épreuve, mais beaucoup de choses, au bout d'un moment, ça te saoule et puis tu t'en lasses. Et donc moi, je préfère faire ça petit par petit. Voilà. Mais non! Allez-vous-en! Allez-vous-en! Bah, on a gagné 41-0. Ça y est. Donc, passons à la deuxième manche. Je trouve que le temps de chargement, il est long, mais pas trop long que ça. Ça va. Tu peux passer les éliminatoires, ça c'est cool. Et là, normalement... C'est l'apparition de quelqu'un.
Ah non. Ah, peut-être parce que je sais pas alors. La cuisine grecque est considérée comme l'une des trois meilleures au monde. C'est vrai qu'on est gâté avec toute l'huile d'olive, les tomates et les épices qu'on a en Turquie. Nos brochettes de viande, les kebabs, nanana. C'est bien parce que ça t'explique un peu le pays. C'est pas vraiment génial. J'ai tout analysé et je crois que j'ai trouvé la clé de la victoire. Je sais bien partager mes secrets, donc je te promets rien. Ah, épreuve de duel de foot. Si tu marques un but avec une attaque plasma, tu gagneras encore plus de points. Oui, c'est 10 points au lieu de 5. On l'a vu tout à l'heure. Donc toi. Trinité et... Je connais pas. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc, hop. Drapeau de la Pologne. Alors, République tchèque. Qu'on récupère, voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour, ouais, on a fait le tour. Et donc, c'est parti pour la deuxième manche. Allez, je suis chaud. Chaud, chaud, cacao. Duel de football. S'il est lent de dire. Après, est-ce que c'est pas parce que c'est l'épreuve de duel de football et il apparaît juste dans le dans l'épreuve normale? Ah, ça se pourrait. Ça se pourrait que le personnage apparaisse seulement dans l'épreuve normale. Donc, tactique de défense. Non, on va commencer avec la tactique d'attaque directement. Direct par l'attaque. On a vu que ça a fonctionné. Maman! Au secours! Merci. Et bim! Allez, 10 buts en plus! C'est parti! Hop là! Non! On passe! Ah la saleté! Saloperie! C'est pareil, même un tacle plasma, ça se voit. Là, hop, ça fait 4 d'un coup au lieu de 2. Et quand on tacle normalement sans tacler quoi. Ah mince. Quand on tacle comme juste même comme ça, hop, 2 points où normalement on n'en gagne pas quoi. Hop là. Mais allez vous faire voir! Comme de salopio. Mince. Non mais c'est quoi ce bordel? Voilà, mi-temps, bim! Ils protègent bien leur but par contre. Mais ouais, mais c'est un 18-0 là qu'on leur met. Donc on va continuer avec la stratégie de l'attaque. Elle fonctionne. Voilà. 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 Hop, hop. Et but! Ah là, 48-0. Ah là là. Ils voulaient vraiment nous mettre du bâton dans les roues, hein, ces joueurs-là. Ah mince. C'est pas ça que je voulais faire. Tant pis. Paf. Dégagez. Merci. Au revoir. Dégage. Ah, j'ai dégagé le gardien de classe. Personne ne peut m'arrêter. Eh non. Eh oui. Qui va gagner? Dégage. Le tacle, ça n'a pas la faute. Pas de faute. Il n'y a pas de faute. Non. Allez-vous-en, bande de salopio. Non, non, il commence à me faire chier. Il commence à nous faire mal. Ah, bordel. Merci. Tant pis, parce que dommage. Et bim! Ah non, je l'ai loupé. C'est-il pas sérieux? J'ai vraiment loupé mon tir plasma. Bon, tant pis, on a gagné 48, je crois.
48 €. Allez, on retourne à la plage. Donc, est-ce que nous avons notre invité? Sinon, c'est qu'en épreuve normale et pas en épreuve de duel. Bon, il faut bien qu'on gagne la médaille d'or. Donc, voilà. Demi-finale. Attendez. On va voir ça. Non. Visiblement, non. Je sais pas. On n'a pas d'invité. Non, Turquie. Toi. Ah, carte astuce numéro 3 des chocs des héros. Si l'épreuve suivante est une épreuve athlétique, sa catégorie sera indiquée piste 100 ou relais 400 mètres, air central, lancer de javelot ou triple saut. Ah, d'accord. Donc, Turquie. Je trouve que c'est un point d'interrogation en mode. Tu t'as pas mon drapeau. Donc, c'est pour ça que je voulais voir. Visiblement, ils sont tous de Turquie. Visiblement, on a récupéré le drapeau de tout le monde. Donc, c'est parti. Duel de foot. Tu as déjà fait tout ce chemin, n'est-ce pas? Le moment de flancher. Et puis, je serai là pour t'encourager. Allez, à toi la victoire. Donc, c'est parti pour la finale. Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va perdre? C'est la question. Duel de foot. D'après vous, allons-nous gagner ou allons-nous perdre? Moi, je sens qu'on va gagner. On va passer directement par la stratégie d'attaque et c'est parti. Voici l'équipe finaliste de l'équipe bleue. Et de l'autre côté, l'équipe. Ah non, ils n'ont pas l'équipe rouge. L'équipe française, l'équipe bleue. Leur capitaine est seulement jaune. Merci. Allez, 21-0, ça commence bien. La 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 la. Hop là. Vas-y. Avant d'arriver au cage, je fais mon tir placement. Aïe 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 aïe, ça fait mal. L'électrocution est arrivée. Ah, l'équipe rouge aura perdu encore la balle une nouvelle fois. Et oui, ils sont devant les buts. Et c'est le but encore, un deuxième but, et ça fait de 42. 42-0. Allez, c'est parti pour ce match qui commence sur les chapeaux de roue pour l'équipe bleue, l'équipe française. Comme quoi, l'équipe de France, elle est très forte. Hein. Non, 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 non. Hop là, électrocuté. Attends. Merci. Oh là là, je voulais faire un beau tir là. Dommage. Donc c'est parti, on est quand même à 42-0. Hein. On va pas se plaindre. On tente le 60? Allez, on va tenter le 60. En plus, c'est tentable le 60. Ok, leur gardien a pas récupéré la balle. Ah, maudit gardien.
Ah! Ça veut pas rentrer. Je veux le 60. Merci. J'ai pas dit que je voulais autre chose. Je veux le 60. Je vais avoir le 60, ok? Mais merdouille! Ah, ça m'énerve. Ils veulent pas que j'ai 60. Voilà. Là, on va avoir 60. On a même le 89. Ça y est, enfin. C'était long, mais on l'a eu. On a eu notre but. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ah punaise, punaise, punaise. Voilà. Bon, on a gagné 89-0 pour cette belle finale. Deuxième médaille d'or. Ah non, médaille première place, pas médaille d'or. Médaille première place. Attention, c'est pas la même chose. Ah, punaise. Voilà. Bah, je sais, hein. J'ai pas du tout non plus. Donc, visiblement, il est pas apparu. Non. Notre guest star n'est pas apparu. Tenue de football bleu. Donc, c'est ça. C'est que pour les épreuves normales. Ouais, on a le drapeau du Brésil. Ah, toi aussi, t'étais du Brésil. Hop, ok, on a, toi on n'a pas, bah si on avait. Ah non, c'est elle qui nous a donné, ouais, la carte, donc voilà. Carte astuce numéro 4, choc des héros. Selon ton adversaire ou l'évolution de la compétition, d'un match spécial peut parfois avoir lieu. Remporte-le, tu obtiendras plus de récompenses, plus intéressantes en cas de victoire du choc des héros. Un match spécial, ok. Intéressant à savoir, mais pourquoi pas. Donc lui, il m'avait donné aussi. Ah ok, c'est bon, j'ai repéré en fait. C'est les mêmes qui te donnent les cartes, ok. Si tu es un coéquipier avec une attaque plasma, sa puissance de celui-là sera restaurée. Ah oui, c'est ça. C'est ça que je voyais, les étincelles. Quand je suis en shooté, hein. Donc les amis, bon, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura fait plaisir autant que moi. Il est un petit peu plus court, mais il fait quand même 20 minutes, donc c'est pour ça un tournoi, je pense que c'est mieux. Donc c'est le deuxième tournoi que je fais, donc si ça vous laisse toujours perplexe à ma façon de faire, dites-le moi. J'essaierai de corriger ça pour la prochaine fois, bien évidemment. Également... Il manquait une carte. Non, c'est bon. Si également vous avez plus de renseignements sur certains trucs ou vous y connaissez un petit peu plus que moi au niveau du jeu parce que vous l'avez déjà geeké à fond, hein. Je vous sens bien, bande de geek. Et vous commencez à connaître le moindre petit secret. N'hésitez pas à me dire hein, si j'ai dit des bêtises. Hein. Ne vous en faites pas. Et puis du coup, on va se laisser sur ça. La prochaine fois, nous repartirons du coup sur encore un tournoi. Donc là, ce sera spécialement tournoi avant de passer niveau 2. Et puis voilà. Bon les amis, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura fait plaisir, qu'il vous aura fait autant vibrer que moi. Allez, bye tout le monde.